c'est toujours l'incompréhension et la colère hein, qui nous anime parce que on peut pas comprendre que dans des entreprises qui gagnent de l'argent, qui ont des carnets de commandes en augmentation, on supprime des postes. Donc c'est de l'incompréhension, mais aussi de la colère. On voudrait comprendre comment la direction voudrait nous faire travailler pour sortir encore plus de produits avec le même niveau de qualité, avec moins de personnes. Donc nous, on a des craintes à la fois sur la qualité des produits qu'on peut sortir, mais aussi et surtout sur les conditions de travail et donc sur les situations de souffrance au travail hein, qu'on commence à voir émerger de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a des réunions de comité européen prévues jusqu'en mars. Nous entreprendrons certainement des choses ou des actions que quand nous serons bien sûrs d'avoir tous les éléments. Ceci dit, quand je dis entreprendre, il y a déjà des rencontres qui se sont organisées avec le conseiller à la présidence de la République quand M. Hollande est venu à Toulouse il y a 15 jours. Cet après-midi même avec M. Martin Malvy au conseil régional également. Mais pas avant en tout cas d'avoir eu tous ces rapports dont je vous dis en particulier ce que nous attendons avec impatience, le rapport des experts.